Coucou tout le monde, c'est Brezel Fox. Voilà, on est sur Final Fantasy 9, on est à Blue Bessel, on va terminer ce CD1. Donc ici, on prend pas cette porte vu que c'est la suite du scénario, mais on va pas le faire tout de suite. Donc là, très important de pas courir. Sinon on peut pas avoir ce coffre. Ok, il y a des germes là, donc que j'en ai déjà, mais bon, quand même des très bonnes bottes. Alors, je sais pas si j'ai besoin d'en mettre sur un personnage. Il pourra apprendre prudence. Ah oui, si j'avais couru, la plateforme serait tombée comme ça. Et là, vu que la plateforme est tombée, je peux retourner en bas pour aller choper l'objet qui est déverrouillé grâce à ça. Il faut juste prendre les objets dans le bon ordre. Hein. J'aurais dû rentrer dans la porte, en plus cette map c'est très rare de ne pas avoir de combat, donc on aurait pu m'en tirer. Ouais, donc ceux-là j'ai déjà avalé tout à l'heure, c'est pour avoir Angélique. Ah oui. Donc comme dans Pokémon, les dragons volants sont très sensibles à la glace. Et Jiten qui a promis Tridate, c'est bien. Je vais pas retirer s'il me reste du fion à prendre. On monte au premier étage, on traverse. La tronche de Kuna, ça permet de manger beaucoup plus facilement un adversaire. Donc là, normalement, je devrais le manger sans avoir besoin de trop l'affaiblir. Hein. C'est un adversaire qu'on peut pas avaler, d'accord. Plus simple. Hein. Ouais, c'est fou, Bibi fait à peine un peu moins de dégâts que Fred Jao pour accord. Ouais.
D'ailleurs, est-ce que Freja est bien positionnée? Est-ce qu'elle est bien devant? Ah non, elle est derrière, d'accord. Voilà, comme ça, ça va mieux, elle va taper un peu plus fort. Hein. Vraiment moche comme mon frère. Alors technique, là, si le compte à rebours est arrivé à zéro, mon personnage aurait été pétrifié, donc ce qui est pas très souhaitable. Pas un objet à trouver ici. C'est dans cette salle qu'il y a un truc caché, par contre. Je vous en supplie. Prenez la cloche de l'autre côté du lit et allez au palais de notre roi. Il faut... Ah, beaucoup de monstres ici. Hein. C'est à partir de cette zone-là que ça devient légèrement plus labyrinthesque. Bon, ça reste facile, mais ouais, il faut faire aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Enfin, je crois qu'il y avait un coffre ici. Ouais, j'avais pas vu celui-là. Thank you.
Dylan qui apprend Tunition, c'est cool. Mettre l'équipement sur un autre personnage. Ah si, voilà, comme ça Bibi va prendre Tonifiant aussi. Votre cloche et celle de la porte sonne à l'unisson. Titane, cet escalier mène au palais de Glumessia. Quand je vois les ruines qui nous entourent, j'ai peur d'aller plus avant. On ne peut pas s'arrêter là, on doit découvrir où ils sont, qui ils sont. Moi aussi, je veux savoir qui sont ces mannequins qui me ressemblent. Tu vois, même notre petit Bibi veut connaître la vérité. Je vous avais dit, Madame Frégia. Bibi, tu n'as donc pas peur? La vérité que nous avons découverte te précipitera peut-être dans les ténèbres. Peut-être, mais je veux savoir. Peut-être que je suis pas humain, mais... Bibi... Qu'est-ce que tu dis? T'as tout d'un petit garçon humain? Voilà quelqu'un. Les habitants. Qui êtes-vous? Vous êtes avec les mages noirs? Non. Non pas, il y en a un derrière toi. Je suis pas comme eux, je tue pas les gens, moi. Vraiment? Vraiment. Frédja? Dad, ça faisait longtemps. Tu peux le dire, où étais-tu passé hein? Mais là, on n'est pas aux questions. Les mages noirs seront bientôt là. Vous devez fuir avec nous. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Partez! Dis-moi, où est le roi? Le roi, je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, la survie de ma famille importe plus que la sienne. Oublie le roi Frédja, pars. Tu ne connais pas les mages noirs. Mon pays et mon roi sont importants à mes yeux. Je ne peux plus reculer. Au palais, vite! Et c'est qu'on arrive, ici. Je crois qu'il faut commencer par le bas parce que sinon il y a un truc qui s'écroule. Vite, partons. Je ne peux pas marcher, pars sans moi. Jamais! Tu as oublié la promesse que nous avons faite devant le Seigneur Dispar? Non, bien sûr. Tout ce que je veux pour le moment, c'est que tu vives. Et que tu prennes soin de l'enfant que tu portes. Tais-toi! Vous pouvez pas rester ici. Partez, allez à Lindblum. Là-bas, le roi Sylve vous prendra sous sa protection. Mon mari est blessé, il ne peut pas marcher. Comment pourrions-nous aller à Lindblum? Attention! C'était juste... Tu m'as sauvé la vie, merci. Yal. Oui, Yal, ça va? Nous sommes... Toujours vivant. Tu pourrais m'aider. Je peux pas marcher tout seul. Bien sûr. Merci encore. Viens nous voir quand notre enfant sera né. Promis, j'y manquerai pas. Je sais pas si j'ai bien fait de faire tomber la statue tout de suite. Hein. D'un autre côté, si je l'avais pas fait, ben peut-être que le PNJ serait mort, donc bon. Dans un sens, c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Hein.
Edge vient d'apprendre Dark Killer. Rester avec nous sur les dates. Ah non, en fait, l'histoire de la statue, ça bloque rien. Bon, fallait juste le faire pour sauver le PNJ, quoi. Bon, comme ça, je vais pas me poser de questions. On va faire un vol et... C'est ça qui est bien avec le fait que Bibi one shot tout. Hein. J'ai dû me soigner avant de lui parler, tant pis. Bientôt fini la zone, donc là on a deux portes. Et une porte qui va mener à un point de sauvegarde, et l'autre porte c'est une armurerie. Et là ici il s'agit du point de sauvegarde. Ah donc c'est lui à Atra, d'accord. Il paraît que Stelskin est venu ici par Kubo, pareil. Hein, pour Kubo, pareil. Parce que Kubo, je ne l'ai jamais vu. Si tu le rencontres, dis-moi comment il est. Est-ce que Kubo, c'est vrai qu'il a des cartes de partout dans son sac à dos? Est-ce que sa valise est pleine d'objets rares? C'était ce qu'il n'a jamais vu, moi non plus. Merci pour ton aide, garde ça. Et Kubo, j'aurais quelque chose à te demander. Peux-tu porter cette aide à Mogna? Ok. Ah, il y a des trucs intéressants, lui. Fourchette plus, on va prendre. Boutin en prend. Prend Boutin en plus et... Ah, tout ce qui est bracelet, je pense que c'est mieux d'avoir en deux fois quand même. Utiliser la tente.
Donc c'est le Barbuta pour Fredja. On va voir si ça lui apprend quelque chose. Ouais. Donc Barbuta. Ça n'apprend rien, par contre ça augmente les stats, donc on va apprendre. Ouais. Et donc à gauche ici ça va être l'armurerie. Dans laquelle on va tomber sur la deuxième arme de Fredja qui est géniale. Hein. Reste-t-il des armes utilisables? Cette lance peut-être? Elle est légère, la bonne lance que voilà. Parfait, maintenant que tu l'as, on va faire leur fête au mage noir. Je disais pas ça pour toi, Bibi. Je sais. Mais... non, c'est rien. Bibi. Donc immédiatement équiper cette lance à Fredja qui est... bon. Voilà, la compétence l'été. Ça donne auto-régène, enfin, régène à toute l'équipe, ce qui est quand même génial. On va faire équiper au mieux. Paralyte, l'armure de lin, ouais, c'est mieux. Entre fourchette et fourchette plus, c'est bon. Même compétence, mais elle va taper plus fort quand même. Et si on regarde sur le regarder, voilà. Rester sur le turnier. Ici, on reste sur ce qu'on a. Voilà. Quoique le tout doux, il va peut-être pouvoir être appris par un autre personnage. On va tester ça tout de suite. Voilà, Bibi pourrait l'apprendre aussi. Bon, il va commencer l'apprentissage de tout doux, voilà. Là, tout le monde est passionné à fond. Ah, peut-être tout simplement que les tentes, ça n'avait pas full HP en fait. Hein. Ça redonne beaucoup d'HP, mais ça met pas tout. Et alors, on va arriver sur l'avant-dernière map du CD1. Ils sont déjà là. Très jeune, vu la situation, je pense que le roi... Qu'est-ce qu'on fait? On lui parle, on laisse tranquille. Il m'a inquiété pour Daga. Non, surtout pas mettre ça parce que là ça fait vraiment vraiment enflure. On va laisser tranquille, elle est assez perturbée comme ça. Bibi, viens par là. Y'a quelqu'un? Fredja! Y'a quelqu'un à l'intérieur, montez vite! Non, t'es bon, on peut monter aussi facilement que ça, nous. Enfin, si, Jidan, si, il est quand même assez agile, hein. Peut-être en passant par là. Allez, on y va. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Essaye de trouver un moyen d'entrer, rejoins-nous. Ouais. Et sûrement à manger à l'intérieur. On vous rejoint bientôt, Miam. Là, on voit la différence d'agilité entre les personnages. Hein. Fredja qui est ultra agile, Jidan qui est quand même bien. Et par contre, Bibi et Kudak sont pas un peu lourdeux. Hein. Je pense que Steiner aurait été vraiment lourdeux aussi. Hein. Et c'est... évidemment. Comment ça, évidemment? J'ai entendu dire que Branette avait des vues sur Blumessa. C'est pour ça que je suis revenu. Hein. Côté d'elle, c'est Beat. Et comment désarmer d'Alexandre? Voici donc la fameuse Beat.
On dirait que son seulement suffisait à calmer les enfants, et je n'ai jamais vu. Dites. J'aurais plutôt dire Béate pour que ça fasse un peu moins con. Béate, c'est ça, Béate. Enfin, Béate, ça fait un peu con aussi. On va dire Béate. Hein. Il y a nombreuses personnes plus fortes que moi par le monde. Hein. Semblant que Béate d'Alexandrie soit la plus douée d'entre elles. Hein. Maître Fratley, êtes-vous en train de me dire que vous partez en me laissant ici? Oui, proprement, Fletcher. Vous laissez être en paix pour le moment. Les autres royaumes préparent déjà leurs armes. Comment pourrais-je assumer notre protection avec une seule lance? Je veux parcourir le monde et rencontrer de puissants adversaires avant qu'il ne soit trop tard. Maître Fratley, j'ai peur de ne pouvoir vivre seul. Ne t'inquiète pas, Fletcher, tu t'en sortiras. Tu dois croire en ta force et en ton destin. Quand j'aurai fait le tour du monde, je reviendrai à Brunessia. Puis-je véritablement y croire? Bien sûr, je te le promets. Déjà, ça va? Oui, c'est rien. Juste quelques vieux souvenirs. T'as toujours pas oublié. Voilà quelqu'un. En tout cas, un mystérieux nouveau personnage. Cette pluie n'est-elle pas fantastique? C'est ça, elle vient bénir notre histoire. Oui, j'avoue, Messia est tombé grâce à tes mages noirs. Mais le roi de Messia reste introuvable. Si on n'arrête pas, les rats vont se rassembler et répliquer. Qu'en est-il, Bit? Puis les fans sont en train de fouiller la ville. Je vais moi-même me joindre aux recherches. N'est-ce pas inutile? Pardon? Vous ne le saviez pas, en cas de tremblement de terre, les rats ont au fait de fuir. Cette fois, ils seront partis dans un nuage de sable. Ils seront partis la queue entre les jambes, le roi comme les autres. Un nuage de sable, il est à Clairin, c'est ça? Si c'est le cas, c'est plus embêtant. Clairin? Les troupes pourraient entrer dans la colonne de sable et remonter. S'ils sont à Clairin, il n'y a rien à faire. Fuja, tu ne pourrais pas nous aider encore une fois? Ne vous inquiétez pas, je ferai ce qu'il faut pour que votre gloire soit totale. Général, je ne vous demanderai qu'une chose, pourriez-vous réunir vos troupes aux abords de Clairin? Les rats risquent de résister et les mages ne suffiront pas. Là, on découvre un nouveau personnage, il s'agit de Kuja, un personnage très extravagant déjà au niveau de sa façon de se présenter, de parler, de s'habiller, un personnage aussi ultra androgyne, donc j'ai mis un petit bout de temps avant de savoir si c'était un homme ou une femme, et en fait il s'agit d'un homme très efféminé. Un style de personnage qui plaît dans les jeux japonais, enfin que les japonais apprécient. Tu parles. Qui est ce vieux personnage? Je l'ai jamais vu. Hein. Clairin n'était pas une ville imaginaire. Non. Il y a plus de 100 ans qu'elle n'a pas eu de contact avec le reste du monde. Si le roi s'est réfugié là-bas, il est en sécurité pour le moment. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi cette ville à la fin? Le peuple de Clairin est le même que celui de Brunessia. Ils ont quitté Brunessia suite à un petit conflit il y a très longtemps. Il semblerait que ce soit une ville tranquille, isolée au milieu d'une tempête de sable. Tempête de sable que j'ai croisée tout à l'heure. Là. Fletcher, voilà quelqu'un. Ah, ça c'est PNJ le plus fou, enfin le plus intrépide et courageux qu'il soit. Il fait face à trois gros monstres et il tente quand même de résister. Je vous laisserai pas détruire la ville impunément. On m'appelle Beat, c'est moi que tu défies? Beat? Voyons jusqu'où va ton courage, je te préviens, je suis sans pitié. Beat, arrête!
C'est moi que tu dois combattre. Nous nous occupons d'eux. Allez auprès du roi. Pardonnez-moi, Dalfredja, je vous en prie. Voilà des gens que j'ai plaisir à voir. Au vu de mon expérience, vous n'êtes que de la vermine. Là, c'est un combat qui ne peut pas durer indéfiniment et qui s'arrête au bout d'un certain nombre d'actions. Alors, si j'ai fait perdre beaucoup de points de vie à Bit, donc on va pas la taper. Hein. On va se concentrer sur le vol. Hein. De toute façon, c'est elle qui va nous taper. La Mother, c'est intéressant, mais ça coûte très cher. Ça pique un peu, en effet. Ah génial, j'ai ralenti comme ça, elle fera ses actions un peu moins vite. C'est quand même super super mal. J'ai pas vraiment regardé ce que j'avais volé comme objet pour l'instant. Là, la musique qui tourne, c'est le thème le thème de Bit, mais un petit peu ralenti. J'ai plus l'autorégène. Ah merde, non, c'est pas... Fais surtout pas qu'elle tue Jidan. Vous êtes trop jeune pour m'affronter. Bon, j'ai pas été assez rapide pour voler ces trucs, on va... Il faut retenter. Hein.
Le dernier objet à voler, c'est l'épée. Je crois que c'est Notune qu'elle s'appelle. Sur Jidan. Putain! Ma dernière tentative de vol là. Allez. Voilà. Non, pourquoi je m'y défendre? Ah. Bon, je fais une ellipse, de toute façon vous avez compris que ce combat c'est un combat d'endurance. Hein. On perd pas vraiment, le but c'est de... Ou de faire suffisamment mal à Bite pour qu'elle interrompe le combat d'elle-même, ou alors ben, qu'elle s'ennuie et qu'elle décide d'arrêter le combat. Donc on va tout faire pour essayer de voler ces trois objets. Et bon moi je vous retrouve dès que j'ai réussi à voler l'objet le plus rare. Voilà.
Ah non, c'était l'ami TP, d'accord. Moi, bon, je réussis à la voler. Il faut que je réussisse encore à revoler le Robert, mais bon. Parfait, j'ai tout volé. Il reste plus qu'à survivre au mieux. Là, normalement, il va me dire j'ai tout volé, c'est bon. Vous êtes trop jeune pour m'affronter. Vous allez regretter votre insolence. Mon beat, c'est un des personnages que j'ai plus apprécié du jeu parce qu'elle est vraiment. Ouais, elle pète la classe quand même. Je veux dire le contraire. Pouf, la vermine. Je ne trouverai donc pas d'adversaire de deux mois ici. Dépêchez-vous, but, nous allons préparer l'invasion de Clara. À vos ordres. Les rats sont sans importance. Ce sujet de garçon est un problème. On comprendra pourquoi beaucoup plus tard dans la partie. Mais bon, là au moins on a fini le CD1. Il y a une petite cinématique qui montre notre équipe dans une salle, dans un sale état. Qui montre pas Quina justement parce qu'on est pas sans. On peut ne pas avoir Quina à ce moment-là du jeu quoi. C'est vrai que vu le look du personnage, on peut se demander si c'est un homme ou une femme quoi. Détail, on remarque que Fred John n'a que 4 doigts. Enfin, 4 doigts sur ses mains, quoi.
Et voilà, donc nous venons de terminer le disque 1 de Final Fantasy IX. Donc bon, c'est déjà un bon début. Bon, j'ai eu quelques petits soucis au milieu de la caverne de Gizmar, mais sinon le reste ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Voilà, donc il faut d'abord que je retélécharge le disque 2, et donc on le fera la prochaine fois. Bon, bah, surtout, bah, ouais, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Ça m'aiderait bien, merci. Et bon, bah, on se retrouvera la prochaine fois pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!